Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Agenda, la sélection d'événements à venir près de chez vous. Et si vous commenciez cette nouvelle année avec une retraite dans la vie ordinaire? C'est ce que vous propose le diocèse de Marseille avec ce parcours de 6 rencontres, inspiré des exercices spirituels, manuels de prière et de méditation proposés par Saint Ignace au XVIe siècle. Seront au programme partage en groupe sur votre manière de prier, enseignement pour mieux entrer dans la démarche spirituelle et temps de prière. Un accompagnement spirituel personnel entre chaque rencontre vous est également proposé. Rendez-vous donc dès le 11 janvier au centre Le Mistral de Marseille pour la soirée de lancement. 5 autres soirées suivront du 25 janvier au 27 mars. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 06 13 32 49 60. C'est bientôt le jubilé pour les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Le 27 décembre, le sanctuaire de Paray-le-Monial vous propose un programme spécial pour l'ouverture du jubilé, avec un temps de présentation, la messe solennelle d'ouverture, une procession et un temps d'adoration. La date de fin du jubilé, le 25 juin 2025, correspond à la date d'anniversaire de la dernière et plus importante apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, où il lui aurait montré son cœur en disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour, et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes ». C'est donc un grand moment de pèlerinage, de liturgie et de rencontre à venir autour du thème « Rendre amour pour amour ». Tous les renseignements sur le jubilé et son programme sur sacrecoeur-paray.org. Un week-end pour revivifier son couple, c'est la proposition du centre spirituel Chaillé-les-Marais en Vendée du 19 au 21 janvier. Cette courte retraite est destinée aux couples mariés depuis de nombreuses années. Vous pourrez revisiter les fondamentaux de la vie de couple pour donner un nouveau souffle à votre entourage, vos enfants, votre famille et vos amis, et à vous-même. Plus de renseignements et inscriptions sur centre-spirituel-chaille.diocèse85.org. Ne restez pas seul pour le repas de Noël. Au sanctuaire Notre-Dame de Montlijon, après la messe de Noël de 11h du 25 décembre, un grand repas partagé et fraternel est prévu à 12h30. Vous pouvez également participer aux vêpres et au salut du Saint-Sacrement après le déjeuner à 15h30. Les inscriptions se font sur montlijon.org. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions. Soit par mail à l'adresse agenda@kto.tv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec un extrait de Changer le monde, interprété par Jubilate Pop Louange et tiré de l'album Sa vie en abondance. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.